Salut tout le monde, bien content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, eh bien, on a une surprise. Nous avons été enfin livrés de notre paquet qu'on attendait avec impatience. Alors on va découvrir avec vous ce que c'est. Ah, attention, eh bien voilà, le DJI Spark est arrivé en Belgique et nous avons été livrés aujourd'hui à midi. Alors, nous allons découvrir avec vous ce qu'il y a dans cette boîte. Et nos premières impressions à chaud, puisque la boîte n'est pas encore ouverte, donc on vient juste de le recevoir et on va l'ouvrir ensemble. Mes premières impressions sur la boîte, ben c'est déjà que franchement, nous avions un drone auparavant et la boîte elle était au moins 4-5 fois plus grande. Alors je vous dis pas pour pouvoir voyager avec la boîte que nous avions du drone Upsan que j'avais avant, eh bien ça prenait la moitié de la valise. Alors par contre ici, ben la boîte de l'iPad Pro n'est pas plus petite ni plus grande, ça se présente à peu près la même chose. Donc je pense que pour voyager, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons choisi le DJI Spark, parce que justement, il était vraiment très petit. Donc, boîte comparable à peu près à un iPad, un peu peut-être un peu plus gros. Niveau poids, eh bien, c'est très très léger. Ça ne prendra sûrement pas beaucoup de poids dans peut-être même un bagage à main. Je ne sais pas si on peut dans l'avion, mais enfin voilà, on essaiera. Au niveau couleur, bien j'ai choisi le blanc un peu par obligation parce que il n'y a aucune autre couleur qui est disponible actuellement en Belgique. Donc c'est le modèle Alpine White. Voilà, bien, on va commencer l'ouverture de la boîte. Prendre mon petit couteau et enlever le film plastique. Ici, alors comment ça s'ouvre? Voilà comment ça se présente. S'ouvre par ici en dessous ou là au-dessus. Non, là il y a chose de protection, donc c'est ici. Et il y a encore deux boîtes à l'intérieur. C'est un peu. Voilà, donc il y a encore deux boîtes à l'intérieur ou je ne sais pas, une protection. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc ça, je suppose que c'est le drone. C'est encore plus petit que la boîte qui est à l'intérieur. Et ici, ceci. Ici, plus rien. Ben, je vais commencer par la plus petite. Parce que là, je sais qu'il y a le drone. Ici, je ne sais pas c'est quoi. Ah. Vous avez un chargeur. Un câble USB et un guide pour démarrer et le manuel, mais c'est tout petit, et encore un autre ici à l'intérieur. Voilà, donc dans cette boîte-là, c'est terminé. Alors maintenant, nous allons ouvrir la boîte qui contient le drone. Une fois que c'est ouvert, on ne sait plus revenir en arrière, mais nous allons essayer de faire comme ceci. Voilà. Alors, attention. J'ouvre en même temps pour la première fois et je l'ai ouvert à l'envers. Ah, voilà. Donc, pour l'ouvrir, vous prenez du côté où il y a le DJI et on va découvrir ça en même temps que vous. Hop! Wow. Oh là là! Eh ben, les amis, c'est vraiment très très petit. Alors, première impression, ben, c'est vraiment très petit. Mais par contre, vous sentez que c'est quand même assez lourd. J'ai l'impression que ça a l'air d'être costaud. C'est pas un jouet. Vraiment l'impression d'avoir acheté quelque chose qui a de la résistance. Et l'objet est vraiment très très beau. Franchement, c'est avec son petit logo DJI, ses petites hélices ici repliées, la petite caméra qui est là. Non, franchement, voilà, c'est très beau. Bien,
la boîte prend, voilà ma main, ça prend très très peu de place, hein. Donc si à la limite vous prenez même pas ça, vous prenez votre chargeur et ceci, et vous pouvez partir en voyage, ou partir faire une rando à vélo, ou tout simplement dans votre sac à dos, ben, c'est vraiment tout tout petit. Voilà, il a des petits pieds pour l'atterrissage, vraiment minuscule, mais enfin bon, il se pose pas directement sur la batterie. Donc maintenant je vais voir au niveau batterie si c'est déjà chargé ou pas, et peut-être lui donner une pleine charge avant d'effectuer un premier vol et de vous donner mes impressions. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour faire quelques tests avec le smartphone ou peut-être le fly mode avec la main et ainsi de suite. Donc on se retrouve bientôt, tout de suite. Ça va montrer un peu le déballage de l'appareil, de la boîte et du chargeur. Et donc, j'ai oublié de vous dire, il y avait des deux hélices de rechange également. Donc, la charge, c'est à peu près 1h20. C'est très bien. Par contre, j'ai fait un premier essai et c'est vrai que vous avez 16 minutes de vol, pas une minute de plus. Et il faut compter que après, lorsqu'il reste seulement 30%, lorsqu'il reste 30% de batterie, eh bien, l'appareil revient automatiquement à sa position et demande pour atterrir. Donc sur les 16 minutes, eh bien, vous avez à peu près 10 minutes de vol. Les 4-5 minutes restants à la fin, c'est simplement encore pour une réserve pour venir atterrir. Voilà, donc ici on a trouvé un endroit sympa. On va essayer de vous montrer de quoi est capable le Spark. Ben, c'est justement un endroit où il y a pas mal de vent, donc on va voir s'il tient face au vent. Vous allumez votre Spark, vous touchez une fois le bouton ON, et puis après une fois plus longue, et vous entendez un ventilateur. Et bien ça veut dire qu'il est en phase démarrage. Voilà, vous avez le fameux son DJI. Donc maintenant, et bien, ce que moi je vous conseille, c'est directement de vous connecter avec votre smartphone, même si vous comptez l'utiliser rien qu'avec la main, mais je dirais que au moins en cas de problème vous pouvez récupérer toujours avec votre smartphone. Alors, après bien, vous prenez l'application DJI Go. Donc, l'application DJI Go qui est vraiment bien faite, franchement c'est pas mal. Alors ici on va essayer tout d'abord un vol avec les gestes tout simplement. Et allumer le drone. Maintenant, vous appuyez deux fois à l'arrière. Maintenant, nous allons l'envoyer demander pour faire une photo. Sur l'application directement. Et voilà, nous avons une photo. Maintenant, on va le reprendre en main. On va le faire monter un peu. Et on peut donc régler ici l'angle de la caméra. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer une vidéo et on va lui demander de faire un quick shot. Ah ouais. On va arrêter la vidéo. On va lui demander un quick shot. Et voilà, ici, il est en train de faire un recul. Seul. Donc voici, ici il a fait un dronie, donc c'est une chaîne cinématique, vous n'avez rien à faire, vous prenez votre sujet et il refait, et il revient à son point de départ automatiquement. Voilà, ici il arrête de faire. Maintenant
Ben voilà, vous avez eu quelques exemples de ce qui était possible de faire avec le Spark. Je ne vais pas tout vous montrer parce que la vidéo va durer trop longtemps. Bien sûr, il faut un temps d'adaptation. Au départ, vous n'allez pas réussir à faire ce que vous voulez avec. Donc maintenant, après quelques jours, ça fait maintenant une semaine que je le possède, j'arrive à me débrouiller un peu. Bon, ses points forts, bien, c'est que c'est tout automatisé. Vous avez une application DJI Go qui est vraiment très bien faite. Vous voyez le nombre de minutes qui vous restent en vol. Vous pouvez régler l'angle de la caméra. La stabilisation de la caméra est magnifique. Vous pouvez avoir du vent, faire des à-coups dans votre vol et vous ne voyez rien au niveau de la vidéo. Par contre, gros point à remédier, c'est la durée de vie de la batterie, 16 minutes, sans compter le fait du décollage et le fait de pouvoir revenir à votre point de départ, ben, ça vous fait 8-9 minutes de vol, donc ça c'est vraiment très très court, donc pensez bien avant ce que vous allez filmer pour directement aller au but et revenir. Sinon, ben, c'est un très bon appareil. Acheter peut-être le combo avec la deuxième batterie, c'est ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, donc il est possible de se débrouiller avec le téléphone seul ou un iPad. Si vous voulez faire des plus longues distances, il faudra peut-être prévoir de prendre la télécommande. Mais c'est pas vraiment, vraiment indispensable dans un cas de figure comme le nôtre, de faire simplement quelques selfies et quelques vidéos assez proches de nous. Voilà, bien, merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer avec d'autres vidéos sur les voyages. La série Grande Canaria va encore continuer dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous pourrez bien réfléchir à votre achat d'un DJI Spark avec cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup.